C'est vraiment pas une nouvelle forme de pratique de la vie chrétienne. Parce que 2000 ans, ils se promenaient en sandales. À ça, on se promenait avec des tailleurs et un moteur autour de nos deux fesses. C'est la seule différence. Parce que c'est le même message qu'on prononce il y a 2000 ans. Moi, quand j'enregistrais ça au gouvernement, j'étais sûr que ça ne marchera pas. Là. C'est un club de motards chrétiens. Mais ça a pris 9 mois. Ils ont pris mon dossier et ils l'ont trimballé d'un bureau à l'autre. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a appelé et m'a dit « T'es-tu sérieux avec ton affaire? » Je dis « Oui, je suis sérieux. » Mais il dit « Ça n'a pas de sens. On va trouver vous donner le permis. » C'est une entreprise, une nappe de charité comme tout le monde. Le club Maranatha Motocycliste, pour être bien simple, c'est un ministère qui veut aider d'autres personnes. Il y a des maisons pour les toxicomanes, il y a des maisons pour les troubles suicidaires, il y a des maisons pour ci, pour ça, les psychiatres, les psychologues, tout ça quitte. Le Maranatha, c'est un peu tout ça, mais sur de la rue. On a des bombes, on est bon. Vous avez le bon, le brut et le truand dans le temps, là, le fameux western. On fait partie des bons. Qu'est-ce que vous voyez en arrière de moi, ces gars-là, ces filles-là? C'est des anciens junkies, des anciens pocheurs. Des gars bien ordinaires qui viennent voler sur leurs impôts. Ils ont la maison, le Toyota, puis deux petits enfants. Mais c'est des voleurs aussi. Mais quand on mange des marshmallows là, autour d'un feu de camp, quand on va camper, on apprend à se connaître chacun d'entre nous. Tu fais de toutes les nations des disciples, Seigneur. Ouvre le cœur aux gens qui vont recevoir, Seigneur, qui peuvent venir partager avec nous, Seigneur, un bon souper, Seigneur. Amen. Amen. Le souper est à 5 heures, hein, tu sais. D'accord. Tu peux avec la catégorie. On peut s'en aller pour 4 heures et demie. C'est ça. Quand on arrive à une place, les gens, premièrement, on a déjà vidé des fois Dunkin' Donuts, là. Quand ils ont arrivé, là, Dunkin' s'est vidé. Mais quand ils ont s'assis et qu'on commence à jouer entre nous autres, ils nous regardent. Ils n'entendent pas sacré. Ils n'entendent pas parler de boisson, puis ci, puis ça. Ce qu'ils entendent, c'est dire hey, on a passé une belle soirée, il a fait beau. Il y a même des gens qui nous tapent sur les épaules. Hey, monsieur, que si vous comptez tout à l'heure, c'est beau à entendre. Merci. C'est des gens qu'on ne connaît pas, là. On se promène de ville en ville. Puis il y a des gens qui viennent nous voir pour nous jaser de qu'est-ce qu'on est. Qu'est-ce que ça veut dire, Maranatha? Oh, 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 oh. Pas Maranatha, c'est Maranatha. Ça veut dire le Seigneur revient. C'est de l'araméen. C'est écrit dans la Bible Maranatha. C'est une salutation que les chrétiens se faisaient au début. Ils envoyaient la main Maranatha. C'est pas par hasard qu'on est sur son chemin. Hein? Ben non, il n'y a il pas de hasard. Là, on va chercher il à la main. Ah oui. Il y a même un club Maranatha motocycliste comme nous autres en Belgique qui nous ont demandé la permission de porter notre nom. Ils n'ont pas le même crest, par exemple, mais ils portent notre nom. Il y en a partout sur la planète. Aux États-Unis, je pense qu'on a fait 300 clubs motocyclistes chrétiens. Il y en a même en Afrique. D'accord, les bicycles, c'est des whizzers, là, c'est des trottinettes. C'est tout gratuit. C'est tout, ça, Caroline, ça reste bien jaune. Oui, Jean-Louis, merci. Regarde, ça ne coûte rien, hein. Jésus, c'était un don de Dieu, puis c'était gratuit dans chacune de nos vies, pourquoi pas la tienne? On serre dans les bras, on a une fraternité. Il y a des gens qui nous regardent, puis ils capotent sur nous autres. Ça va vous permettre d'avoir une façon de penser comme le Seigneur pense. C'est un plaisir de vous voir. En 92, le club Maranatha est venu à Sherbrooke, en 92. Et alors, faire de la moto, c'est un plaisir plus une bénédiction. Et puis, j'aime beaucoup et énormément fraterniser, parler de la parole de Dieu. C'est le sens de ma vie. On aide des fois des personnes sans savoir ce que c'est. 2 ans après, on ouvre ça avec une moto. Claude, je vais faire comme vous autres. Il dit, vous m'avez aidé, je vais aider d'autres personnes. Des fois, c'est bizarre comment ça fonctionne. Il y a un bug dans le club, c'est pas seulement pour dire que tu es obligé de le faire. Non. C'est du bénévolat. Chacun paye 2 gaz. Il n'y a aucun salaire. Dans le club, il n'y a même pas de salaire, moi, là. Je travaille dans une école. Les gars, c'est ça qu'ils représentent aussi. Quand il y a un bug dans le club, parce qu'ils ont besoin d'amour. On va être franc, là. Ils ont besoin d'amour. Tout aussi simple que ça.